de la vie politique. On ne peut pas vivre que de politique politicienne. Ça peut constituer une entrave au développement. Alors on a d'autres secteurs beaucoup plus importants, comme l'emploi, comme la santé, comme l'éducation, comme l'alimentation, comme la gestion vertueuse, c'est important, qui doivent être guidés par ce qu'on appelle les valeurs morales. Pour que ces secteurs arrivent à bon port, pour qu'on puisse engranger des résultats probants et efficients. Et actuellement, nous vivons ce que Garaudy disait, que l'homme du désir l'emporte sur l'homme du sacrifice. L'homme de la suffisance l'emporte sur l'homme de la transcendance. Il faut qu'on actionne notre instinct grégaire qui incite les gens à l'union, à la concorde, à l'entraide, à la solidarité, à vivre ensemble pour faire de notre pays qu'il puisse compter parmi les pays émergents. Et ceci ne peut être possible que dans l'union, que dans la solidarité, que dans l'ensemble. Sinon, on aura beau faire, mais rien. Alors, pour ce qui est des dissensions que nous venons de vivre dernièrement, vraiment, c'est déplorable. Chacun veut y aller de sa part.